Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, j'ai choisi de tester une nouvelle mercerie sur la chaîne. Alors, j'ai déjà acheté plusieurs fois chez eux, mais là, j'avais envie d'avoir une gamme assez élargie de leurs produits pour pouvoir vous faire un test complet. Il s'agit de la Panda Love Fabric. Alors c'est une marque que je connais depuis très très longtemps, depuis mes débuts en couture, et c'est une entreprise française qui a pas mal évolué. Ils ont d'abord travaillé sur des produits dits goths en termes de tissu, puis s'adresser aux professionnels pour revenir pour notre plus grand plaisir à proposer pour les professionnels et les particuliers. Actuellement, ils travaillent sur des tissus dits PET. Donc c'est-à-dire que pour les matières synthétiques, ça va être issu de bouteilles d'eau recyclées. Donc autant vous dire que j'adore le concept, mais ils vont plus loin. En fait, ils proposent d'imprimer sur ces fameux tissus à la demande, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune collection qui est proposée et possiblement jetée faute de clients. Ils impriment eux-mêmes leurs tissus en fonction des commandes. Donc franchement, ça je trouve, en termes d'écologie, juste génial. Ils réfléchissent à proposer par la suite de l'impression sur les matières naturelles, mais c'est encore un petit peu à l'étude. Mais qui sait, peut-être qu'à l'heure où je publierai la vidéo, ce sera peut-être plus abouti. N'hésitez pas à aller voir sur leur site pour en savoir plus. Alors ils proposent une multitude de matières. Il y a du crêpe, du pull. Le pull, franchement, c'est quand même une matière assez difficile à trouver, et surtout avec des motifs originaux, c'est pas toujours évident. Rien de tel que pour faire les petites couches lavables de bébé. Oh, franchement, j'aurai un troisième enfant, clairement, j'achèterai tout mon pull là-haut. Les motifs sont trop beaux, il y en a quand même, ils en proposent plus de 500. Ils sont très ouverts, si vous avez vos propres motifs, vous pouvez aussi les contacter. Je trouve ça mais génial. Il y a aussi du jersey sport. Alors c'est pas du jersey coton, ça va être un petit peu un aspect plus legging de sport ou maillot de bain. Moi j'aime beaucoup l'utiliser pour les maillots de bain, les t-shirts anti-UV. Ils proposent aussi de l'Oxford. Alors moi j'en avais déjà utilisé pour faire un manteau pour choupette. Je vous mets une petite photo tout de suite. Ils proposent du satin, du canvas, franchement génial. Donc comme je vous disais, c'est autant dirigé vers les professionnels que les particuliers. Allez, je vous montre tout de suite mon colis. Bon, on voit déjà qu'en termes de colis, c'est assez minimaliste et j'aime beaucoup l'emballage qui peut aller au compost. Ça, mais génial! J'adore! La planète vous remercie! Une petite carte. J'ai hâte de déballer! Oui, rien que ça, j'ai pris rien que ça. Bon, c'est un peu biaisé, j'avoue, parce que j'adore cette mercerie. Franchement, leurs motifs, on les voit nulle part ailleurs et je les trouve super originaux. Je reçois souvent des commentaires sur où tu trouves tes tissus. Bah franchement, la Panda Love Fabric, ça fait partie de mes merceries pépites. Le premier tissu, franchement, ça fait des années que je craque dessus. C'est une triple gaze. Donc maintenant que j'ai passé mon petit crash test pour faire cette première robe, bah je vais clairement la refaire dans celle-ci. Et ben j'aime beaucoup parce que c'est moins gaufré que de la double gaze. Et du coup, je pense que ça va être clairement moins pénible à coudre. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est pas du tout transparent. Parce que on croirait pas, mais sincèrement, à la lumière, cette petite robe marron est un peu transparente. Et je vous avoue que ça peut être un peu gênant. Et là, franchement, il n'y a pas du tout de transparence. Oh là là, le tissu, mais il est magnifique. Donc voilà comment ça se présente sur l'envers. Oh, j'ai trop hâte. Je vais me faire une blouse avec, mais en fait, je verrais trop bien en robe. Je suis contente, ça faisait longtemps qu'il me faisait envie ce tissu. Oh, il est encore mieux qu'en photo sur le site. Et cette jolie triple gaze, elle est à 24 euros le mètre. Et n'oublions pas que celle-ci, elle est bio du coup. Alors, j'ai pris aussi chez eux de l'éponge. Donc, il faut savoir qu'elle est double face. Ça, on n'en trouve pas partout. Donc, elle est très absorbante. Franchement, moi, je réalise pas mal de pieds au sec. Elle est trop douce, trop géniale. Elle est super douce. Et franchement, vous voyez clairement que vous avez un produit de qualité entre les mains. Donc, vous avez un petit côté bouclette et un petit côté comme ceci. Et en plus, elle est bio. Donc voilà, moi je l'ai déjà utilisée plusieurs fois et j'en suis très contente. Vous pouvez voir que la laise, elle est quand même assez longue. Vraiment top. Celle-ci, elle est à 18 euros le mètre. Ensuite, j'ai pris un petit bout de pull pour effectivement pouvoir faire les fameux pieds au sec dont je vous parlais. Donc ça a rendu un petit peu plus mou, mais ça marche très bien. Franchement, les couleurs, elles sont juste dingues. Le motif est juste
trop trop jolis. Moi, franchement, je craque. Et sur l'envers, vous avez un petit plastique qui s'enlève franchement très facilement. Je l'ai pas utilisé de façon académique. En fait, pour le retirer, je l'ai simplement passé dans la machine et en fait, ça a créé des petites ouvertures et ce qui m'a permis de tirer dessus et de l'enlever facilement. Mais après, là, quand je réfléchis, je me dis que finalement, pour les pieds au sec, ça pourrait être super intéressant que je le laisse. Je vais réfléchir à ça. Voilà. Franchement, la qualité de l'impression, elle est géniale. Donc ça, ça fait partie des fameux tissus dont je vous parlais tout à l'heure. Les fameux tissus en polyester, donc les PET, à partir de bouteilles recyclées. Juste avant, je vous ai montré des tissus bio en coton. Et là, celui-ci, c'est donc issu de matière recyclée. J'ai craqué pour un deuxième design. Des petites fleurs. Franchement, les motifs sont fins, c'est super mignon. L'impression, elle est géniale. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme machine, mais franchement, les couleurs sont magnifiques. Les dessins sont précis. Je suis ravie. Donc là, j'ai commandé 50 cm, donc sans difficulté. Quand je vous parlais d'impression au minimum 1 mètre, c'est pour vos motifs personnels. Ici, j'ai acheté 50 cm sans difficulté et le tissu est à 24 euros le mètre. Alors par exemple, je me disais aussi que ce petit design, ça pourrait être super cool pour celles qui réalisent leurs serviettes hygiéniques lavables. En fait, franchement, ça fait un super joli motif plutôt que d'avoir des choses un peu plus tristounes. Voilà. Ensuite, comme j'aimais trop ce motif, j'ai pris le jersey sport dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, j'en ai pris un peu plus parce que j'aimerais faire un maillot de bain pour ma choupette. Donc c'est un test de patron. Je dois garder le secret jusqu'à l'année prochaine. Mais le tissu, il est magnifique. Et on m'a demandé aussi souvent où je trouvais le jersey anti-UV. Et ben celui de la Panda Love Fabric, il est anti-UV. Donc j'ai fait tous les t-shirts anti-UV de mes enfants. Je sais qu'on peut faire aussi des t-shirts pour ceux qui surfent, qui font de la planche à voile, mais aussi ceux qui font de l'aérobic, faire un legging parce qu'il est super stretch. Il a 50% d'élasticité, donc c'est vraiment bien. Pour tout ce qui est un petit peu legging de sport, franchement c'est génial. Et pourquoi pas aussi le haut d'ailleurs. Bon, moi le sport, c'est moins mon domaine, mais voilà. Et donc celui-ci est à 25 euros le mètre. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le site internet est ultra détaillé. Vous avez notamment le poids du tissu, son élasticité, et ça franchement c'est rare de le trouver sur les sites, parce que suivant les projets qu'on a envie de réaliser, il nous faut parfois un taux d'élasticité assez précis, et c'est ultra compliqué de l'avoir sans commander un échantillon qui peut être payant, etc. Donc celui-ci, vous pouvez aussi le commander à partir de 50 cm. Et je me dis que finalement, un maillot de bain pour moi, pourquoi pas? Bon, à voir, ça c'est pour choupette. Il est magnifique de toutes les couleurs. Ça a trop bien lui aller. Je me suis quand même fait un petit plaisir. J'ai commandé leur jolie crêpe. Regardez-moi les couleurs de folie. Franchement, il est juste magnifique. Que voulez-vous, je suis fan. Faut savoir que je vous dis ça, mais en toute objectivité, je suis absolument pas rémunérée pour vous dire ça. Donc il y a pas de souci là-dessus. Néanmoins, le colis m'a été offert, mais franchement, j'achète régulièrement chez eux, donc ça n'aurait rien changé. Donc là, j'ai pris du crêpe. Regardez ce beau tombé là. Alors du coup, vu que c'est imprimé, on voit forcément que le derrière n'est pas teinté. Il y a une petite transparence après avoir reporté. Oh là 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 là, il est dingue ce tissu. En fait, à bien y regarder, je pense que non, il est pas si transparent que ça. En fait, c'est parce que je le mets derrière la lumière que j'ai cet effet là. Mais plus je regarde, plus je me dis qu'en fait il est... Non, en fait il est pas transparent. Je pense pas. Je vous ferai les retours sur la chaîne quand je l'aurai cousu. Mais en tout cas, les couleurs sont magnifiques. Et ce que j'aime le plus... Il froisse pas. Et franchement, le crêpe, parfois c'est la plaie parce que justement, ça froisse, la viscose, tout ça. Et là, c'est génial. Je me verrais trop bien avec une petite robe d'été. Une petite dune de super bison, là. Je m'y vois déjà. Oh, il est magnifique. Magnifique. Bon, inutile de vous dire, je suis hyper enchantée de mon colis. J'ai franchement pas d'a priori sur les apprêts quand ils seront cousus. Comme je vous disais, ça fait longtemps que je couds cette marque et je tenais vraiment à vous la faire découvrir. Et donc ce joli crêpe est à 14,90€ le mètre. N'hésitez pas à aller voir sur le site, il y a vraiment plein de motifs. Moi je sais que j'ai un goût assez particulier pour les couleurs mais que ça convient pas forcément à tout le monde. Donc il y a des motifs beaucoup plus sobres.
rassurez-vous, et la qualité reste identique. J'ai franchement aucun a priori sur le devenir des tissus après lavage et après couture, ça c'est certain. Je les couds depuis des années et j'en suis ultra ravie. Pour moi, c'était super important de vous faire découvrir cette marque si vous la connaissiez pas déjà, parce que elle respecte plein de valeurs environnementales. On parle beaucoup des dégâts que peut faire la mode, etc. Je me dis que si nous, on coud nos propres vêtements, on est déjà beaucoup moins dans la surconsommation de vêtements peu qualitatifs et l'envie d'acheter avec la mode. Et si en plus on choisit des tissus qui sont éthiques, bah je crois que c'est banco en fait. Vous partagez peut-être pas mes convictions, mais vous serez peut-être plus conquis par la qualité du coup. Du coup maintenant je vais passer à la couture, le meilleur moment. Alors pour vous c'est à dans quelques secondes et pour moi c'est à dans quelques jours. Bon, finalement j'avais pas commandé assez pour faire ma petite robe, alors je me suis décidée pour la tunique haut de l'usine à bulles. Et franchement le tissu c'est un truc de fou, trop confortable. On a l'impression de porter le linge pour bébé, trop confortable. Et voici quelques pieds au sec, j'ai presque honte de coudre des pieds au sec dans un si joli tissu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous connaissiez la marque, inutile de vous redire que c'est un gros coup de cœur pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait super plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune de mes revues de mercerie. Si vous avez d'autres suggestions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je serai ravie de faire ce test pour vous. En tant que dingo de la couture, ça va pas être trop difficile. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut !